vous regardez ETV. Manger, bouger, deux mots souvent martelés ces dernières années dans les spots de publicité et qui semblent avoir bien été intégrés pour ce qui est de lutter contre le surpoids et l'obésité. Hélène fait partie de ceux qui l'ont bien compris. Je fais de la gymnastique adaptée, la marche et la croix gym. Adolescente, on m'appelait Bouboule parce que, oui, je m'habillais en 52, je suis en 43, j'étais énorme. J'ai eu un déclic, je ne sais pas à quel moment, je ne me rappelle plus. J'ai eu un déclic et j'ai voulu être comme les jeunes filles de mon âge. Et petit à petit, le corps a repris sa forme. J'ai recommencé à faire du sport, je marche beaucoup. Et rien de tel pour faire passer le message qu'un vélo livreur de saveurs, un beau moyen d'allier effort et réconfort. Il faut toujours oser, il ne faut pas avoir peur. Parce que quand on voit l'objet, on a l'impression qu'on ne peut pas réussir. Mais pourtant, si on fait l'effort, et là j'ai fait l'effort, et je suis contente d'avoir fait l'effort. Et d'avoir réussi. Alors, le stand là aujourd'hui, c'est pour faire comprendre que l'activité physique, ça fait partie de l'équilibre alimentaire. Quoi, il faut manger correctement, mais il faut aussi pouvoir bouger pour se dépenser et avoir une activité suffisante dans la journée. Et donc là, le vélo smoothie, ça nous permet de voir que pour consommer un aliment frais et de bonne qualité, on a besoin de se dépenser un petit peu avant. Donc ça allie l'activité physique et manger correctement. Bien manger et bien bouger, cela à tout âge resterait donc la clé de lutte contre l'obésité.